Bonsoir, bonsoir les amis. Salut, ça va? Ça va et toi? Bien, bien, bien. On arrive à France Boxe Aix-les-Bains pour ce moment partagé autour du lac. Alors, il y a le gel hydroalcoolique. Alors que la soirée est en train de tomber sur Aix-les-Bains, ici autour du lac, ce moment partagé. On a le masque de France Boxe. Et c'est un entraînement un peu particulier. Il y a beaucoup de monde ce soir, beaucoup, beaucoup de monde. Salut Monsieur Fontanelle. Alors ça va? Ça va Philippe? Impeccable. Beaucoup de monde ce soir parce que c'est un entraînement un peu particulier pour préparer le gala du 3 octobre. On prépare le gala, on a des gens de Gaillard, d'Annemas. Alors, ils sont là-bas, vous allez voir. Parle bien fort Philippe. Du coup avec le masque. On peut l'enlever comme ça? Tu peux l'enlever, ouais, ouais. On va le mettre comme ça parce que voilà. Donc on a les gens d'Annemas et de Gaillard qui sont là. On va aller les voir? On va aller les voir. Elle est où ton affiche? Montre-nous l'affiche. Alors, cette fois, c'est bien sûr, c'est confirmé. La banderole, on a mis trois banderoles avec Aix-les-Bains. Il y a trois banderoles avec Aix-les-Bains. Au bureau. À la brasserie du bureau, pardon. Il y en a une au marché d'Aix-les-Bains. Oui. Et il y en a une vers le Vivier, vers le trophée 73. Ah, génial. Donc c'est très bien. Les gens qui te font les trophées. Voilà, donc on aura ça. Ah, bah bien sûr. Et ok. Bien sûr. On va arriver. On a l'affiche. Voilà. Ah oui, ça c'est pour le gala. Ça c'est pour les voilà. Alors montre-nous l'affiche. Voilà. Voilà, 3 octobre. Donc boxe anglaise bien sûr. 3 combats pro et 6 amateurs. Voilà. Au Casino Grand Cercle d'Aix-les-Bains à 20h30. Et pour les 20 ans, Maëlys va boxer, Maëlys Gangloff. Voilà. Alors mec, Maëlys Gangloff, on a pris que des Français parce qu'on devait prendre des étrangers, mais on a un problème que si. Les avions, tout ça. C'est pas les avions, c'est s'il y a le Covid, malheureusement, mais après on les garde chez nous 10 jours. Alors, ah oui, en quatorzaine. Voilà. Et puis on va prendre du français un petit peu, ça va changer. Donc on a pris pour Maëlys l'ancienne championne de France, voilà, okay. Qui s'appelle Mégane Ouvrant. Oui, voilà. Qui vient d'où? Qui vient de Paris. Ok. Donc c'est une bonne boxeuse, vous allez voir. Ok, voilà, donc l'affiche, les flyers. On va revoir un peu le 3 octobre, voilà. C'est combien l'entrée? 20 euros. 20 euros au Casino Grand Cercle, voilà. Dans le Salon Victoria. Gratuit pour les enfants, moins gratuit de 12 ans. Pour les enfants moins de 12 ans. Voilà. Il y a un bar, une buvette à consommer avec modération. Voilà. On fera attention, on se lave les mains, on met un masque. De toute façon, le casino, quand on rentre, des masques. On est obligé. On se nettoie, qui est normal. Et puis chez nous, ça sera pareil. Voilà. Donc on a nos amateurs. On va parler de nos amateurs. On a Jimmy qui est là. Ah, Jimmy. Jimmy Lalin. Jimmy Lalin qui. Salut Jimmy qui a de plus en plus la ligne et les muscles. 5 kilos en 15 jours. Jimmy qui bosse du côté de la Suisse. 5 kilos quoi? 5 kilos en 15 jours. 5 kilos en 15 jours. Il parle avec. Bravo Jimmy. Lucas. Lucas qui lui boxera. Salut Lucas. Voilà. Ça va? Il va boxer contre quelqu'un de apparemment de Nice. De Nice, voilà, ok. Il y a des mecs de Marseille. Il y a des boxeurs, pardon. De Marseille, de Nice. Très bien. Voilà, de Paris. De Paris. Voilà. Ok, sachant que nous ne sommes pas en zone rouge pour le moment, donc tout va bien. Il faut savoir quand même que tous les boxeurs et les entraîneurs vont venir avec un test. Ils seront obligés pour boxer d'avoir un test du nez. Obligatoire. Oui. Ah, le test avec le. Voilà. Il n'y a pas que le thermomètre qu'on fait à l'entraînement. Hein, tout le monde. Donc il y a le couvillon là, les couvillons. Voilà. On est obligé donc. C'est comme ça. Donc Lucas, tu te prépares. Ouais. Ça va? Oui. Tu te sens plein pot en ce moment? Ouais, ouais. Je suis au max de ma forme. Il y a des moments j'ai des coups de mou, mais ça c'est. Ouais, mais à ton âge, tu sais quoi, récupère vite. Ouais. T'es dans le poids? Ouais, je suis dans le poids, ouais. Ok, super. Alors, tu fasses bonne chance, Lucas. Merci. Bonne chance. Alors. Là, on va voir, pardon. Alors, on va voir qui c'est qu'on a d'autres. Mettez les gants, on va aller voir là. Ouais, parce que. Ouais, alors, viens voir. Ça s'entraîne. Ah, ah. Voilà. Salut, jeune homme. Voilà. Donc, il va boxer. Son prénom? Stan. Stan, il est chez nous. Il est où? Ouais, il vient souvent sur les chez nous. Il va parler, regardez. Allez, Stan. Allez, regarde. Tu mets un doute sur le fait que les boxeurs puissent parler, mais il n'y a pas de problème. Stan, tu es Aixois? Non, je suis pas Aixois, j'habite à Morzine, à côté de Morzine. Ah oui, très bien. Il s'entraîne là-bas avec son père, il y a sa soeur qui boxe, c'est bien aussi. Et il vient souvent chez nous. Donc tu seras en combat samedi 3 octobre. Octobre. Contre qui là? Contre qui tu combats? Geoffrey Rabiou. Voilà. Rabiou. Geoffrey. Quelqu'un qui est très bon, qui est d'où? Qui est de Pont-de-Beauvoisin. Pont-de-Beauvoisin, bah, génial. Il a Grenoble, il a 12 combats, 12 victoires, donc c'est un bon challenge. Une belle carrure amateur là. Hein. Ouais, il y a un beau bébé. Un beau bébé. Voilà. Bah oui. Allez, merci et bonne chance.
De toute façon, quand on est sur le ring, attention. Voilà, on a Gilou là qui s'entraîne. Voilà, quand on a Gilou, voilà. Gilou et son accordéon. Et salut Gilou. Ça va? Il sera prêt. Quand on a. Voilà. Quand on est sur le ring, voilà. Là, il n'y a pas de secret. Hein. Voilà. Alors là, Philippe, on a des boxeurs d'où d'Almas. Voilà, tiens, Julien, Raoult. Salut. Salut, ça va? Ça va, en forme, il a le masque, il entraîne avec le masque. Normal, on respecte le protocole. Eh oui, on est avec les gens de la boxe d'Almas, là. Non, Gaïa? Pardon? Almas ou Gaïa? Almas, Gaïa, on est les deux. Ah oui. On a fusionné, on est c'est vrai un seul club. Ah, tu vois, je savais pas. Almas, Gaïa, Fight Academy, exactement. D'accord, faut dire que j'ai pas beaucoup animé là-bas, il va falloir m'appeler un peu. Hein. Si. On va vous appeler. Donc là, t'as combien de boxeurs qui viennent le 3? Alors on a deux boxeurs, donc on a Mike J. Munch, donc le professionnel. Ouais, ça c'est combat pro là. Le combat pro. Qui a l'entraînement. Voilà, exactement. Avec son sparring partner, on va dire. Voilà. Là ça donne, hein, ça envoie ça quand même. Ça y va. Une belle salle ici. Hein, il est prêt. Super salle, franchement avec deux rings. Il est prêt là, il est prêt pour le 3 déjà. Donc ouais, il est prêt là. Il est prêt, on va commencer à... Bah, on a déjà vu boxer, salut, comment fois, ouais, ça va? Il a son 11e combat pro là. Ça va? En forme? Ouais. Je vois que tu donnes à fond. Il va falloir que je transpire autant que toi. Mais bon, là on est sur la foire de Savoie. Il faut s'entraîner. Prêt pour le 3 déjà? Oui. Il manque plus que l'affûtage. On est déjà prêt. Voilà, et après la phase de repos. Pas oublier parce qu'il n'arrive pas à s'arrêter. Ah oui, donc il faut pour récupérer un peu avant de... Exactement. Après, il faut tenir le poids, quoi. Voilà, exactement. Et tu as qui? Tu es opposé à qui? Je sais pas, je regarde jamais les adversaires. Ça, c'est le... Il veut pas que je le dise. Ah non, il veut pas. Moi, je regarde et il veut pas que je lui dise le nom, rien du tout. Donc, après, je vais pas lui dire devant, mais... J'écoute les conseils du coach. Et puis, on prépare le combat. Après, on... Ouais, peu importe l'adversaire. Voilà, faut boxer, on est prêt de toute façon. Bravo. Ça fait plaisir de te revoir là, le 3 octobre, donc parce qu'il n'y a pas beaucoup de galas en ce moment. Hein. Ouais, exactement. Voilà, donc Philippe a réussi à tenir le gala. En Savoie, ça va à peu près. Ouais. On espère que ça. Bonne chance. Merci pour la suite. Salut, hein. Salut à Anne-Mas Gaïa. Et puis voilà nos petites exoises, nos grandes exoises. Salut Maëlys. Salut. Ça va? Oui, nickel. Maëlys Gangloff, on est au 4e de combat pro là, ce samedi 3 octobre. Ça va être le 7e. 7e. Et sur 7 combats, salut Bruno Dubois. Ça va, t'as le masque, hein, le beau masque, moi, le masque de France Box. Salut Faustine. Bonjour. Tu combats aussi le 3? Oui. Alors attends, on va rester sur Maëlys. Hein, donc, tu combats face à qui le 3? Face à Mégane Ourard. D'accord. Ourard. Qui est d'où elle, tu m'as dit tout à l'heure? Paris. Ah, Paris. C'est une ancienne championne de France. Ancienne championne de France. 7e, tu l'as déjà combattue? Non, c'est la première fois. Ok. Et sur les 7 combats, redonne-moi le palmarès que tu as là aujourd'hui. J'ai fait deux premiers combats en 4 rounds, après j'ai fait le championnat de France et ensuite on a fait encore... Et combien de victoires? 6 sur 7, c'est pas mal. Et l'autre c'était quoi? Match nul? Non. L'autre elle a 9 combats, 4 gagnés, 3 défaites, 2 victoires et 2 matchs nuls. Ok, donc elle est pas mal. Elle est pas mal, oui, bon. Oui. Et tout va bien l'entraînement là, t'es plein dedans? Ouais, ça va, on a repris depuis longtemps donc c'est pas une reprise dure comme... Oui, t'as repris juste derrière la réouverture, dès qu'on a pu réouvrir le club. Voilà, c'est ça. Donc, ok, merci Maëlys. Hein. Et on te dit merde pour le 3, mais c'est l'entraînement qui compte. Après, sur le ring, Faustine, qui est de plus en plus vers le haut, hein, qui monte en ce moment. C'est pas mal, elle est comme les autres, ça commence à monter. Et puis quand il y a une locomotive, c'est bien aussi. Hein. C'est bien. Alors Faustine, combien de combats elle a déjà, Faustine? Alors Faustine, elle a 15... Elle peut parler aussi, Emma. Non, mais elle sait pas bien quoi. Elle a 16 combats, 15 victoires. Voilà. Ah, donc ça va bien. Quelqu'un qu'elle a déjà combattu, qui est une fille qui est très forte, elle va t'en parler. D'accord, alors tu combats qui que tu as déjà combattu? Ouais, je retombe contre la même, contre Sonia Ben Salma. Qui vient d'où? Montluçon. De? Montluçon. Ah oui. Que j'ai déjà combattu pour les championnats de France, pour les qualifications de championnats de France. D'accord, je m'en rappelle. Combat très serré, une bonne adversaire, donc ça va faire un jeu de combat. Bon, tu as de bonnes chances, ça va aller, entraîne-toi. Oui. Il est sûr que l'entraînement c'est l'essentiel, Philippe, mais le soir du combat, lorsqu'on est sur le ring, dans l'ambiance du gala, eh ben oui, les choses peuvent parfois changer. Et puis on dit, c'est facile parce que... Ouais, c'est facile à dire. Seulement boxer avec Aix-les-Bains ou ailleurs, c'est sûr, c'est pas dans les lignes. C'est vrai qu'à Aix-les-Bains, on est chez soi et c'est plus dur parce qu'il y a notre public, c'est tout. Ben on croit que c'est plus facile, mais pas forcément. C'est pas vrai.
Tiens, je vois un de tes partenaires, Aran Couleur, là, qui est là, on le salue. Hein, agencement Concept, là, c'était le combat de l'année dernière, le gars de l'année dernière. Valvital, Marelli, on salue Marelli, hein, surtout Josie. L'Esprit Challenge, PPP. Enfin bon, je vais pas tous les donner, Valvital. Et puis il y a Boxing Shop qui est mon pote. Ah, boxingshop.com. Fautrel, si on oublie Fautrel. Sébastien, Fautrel. Il est où? Fidèle, le plus fidèle des fidèles. Ah oui, puis il y aura les chocolats. Voilà, qui amène les chocolats. Les meilleurs chocolats des deux Savoies. Là, on a des photos de tous les galas, toutes les représentations des années. Ah là? Là, Maëlys, elle n'était pas grande. Ah, on a tous changé, hein. Oui, ah bon, tu crois? Non, pas tant que ça. C'est vrai, un peu. Merci, merci Philippe, ouais, c'est la famille. Merci de nous recevoir ici pour Moment Partagé. Le 3, c'est bientôt. Il reste combien? Une dizaine de jours pour s'entraîner? 15 jours, voilà. Venez récupérer, venez adhérer au club, les filles, les jeunes, voilà. Les loisirs. Pour les entrées, ils peuvent m'appeler au 06 22 04 60 72. Ouais, alors ça, je ne sais pas s'ils vont retenir. Hein. 06 22. Je vais aller doucement, excusez-moi. Oui. Les entrées pour le gala? Pour le gala de boxe, les entrées. Donc vous pouvez venir les chercher au club, ou venir ou téléphoner au 06 22 04 60 72. Génial, Philippe. Remercie. Philippe Fontanel, venez nombreux, venez masqués. Si jamais vous manquez de masque, on fait quoi? Pardon? Qu'on a des masques à dispo? Il y en a à l'entrée. Le casino en donne, et nous aussi. Il les donne? Oui. Ok, génial. Pourquoi il les donne? Parce qu'ils vont jouer au jeu. Oui, voilà. Regardez Maëlys qui est à la corde à sauter. Mais bon, prenez vos masques quand même. Hein. Ouais, prenez vos masques, mais si jamais on en oublie. Tu sais, des fois on change de pantalon, on se trompe. Ouais. Voilà. France Box Aix-les-Bains, je vois l'affiche de Sébastien Fautrel que je salue. Bien, Philippe, on va se dire au revoir. Jimmy, bonne chance aussi. Merci. Et entraîne-toi surtout. Il est au boulot aussi, salut jeune homme. Il a eu un autre pro. Je l'ai vu, je crois. Bonjour, bonsoir. Ça va? Alors, on s'entraîne pour... Il enlève le protège-dents. Ça va être plus facile, désolé. On va laisser par terre. Alors, tu es dans quel club? Écoutez, je suis à Gaillard Fight Academy. Ah, Gaillard. C'est ça, avec la team Benatia. D'accord. On est venu ici aujourd'hui avec les bains pour s'entraîner, croiser un petit peu avec nos partenaires. C'est bien. Et merci aussi à M. Fondal qui nous invite. Voilà. Alors, comment on organise le 13 mars? On fera boxer, bien sûr. Et puis, Gaillard et Anas vont aussi organiser. Exactement. Donc, ils nous invitent aussi. Ouais, on croise, c'est ce que tu disais. Ça, c'est croiser les gants, c'est une chose, mais nous, quand on fait des galas, ils nous invitent et on les invite. Avec des autres clubs. C'est une bonne entente. Et c'est très ça. Bien, parce que comme ça, ça fait bouger les pros et les amateurs. Donc, tu combats contre qui, là, le 3? Alors, moi, je ne combats pas le 3. Ah, d'accord. Voilà. Lui, moi, c'est pas. Seulement pour rester en forme. Ah, c'est l'entraînement, voilà. Ok, d'accord. Bon, super. Aussi, mais après, il y a des autres combats qui vont arriver. Bien sûr. Voilà, chez nous bon. Et puis chez eux. On est content parce que dans la boxe, il y a beaucoup de galas qui ont été annulés et qu'ils seront encore peut-être, on croise les doigts parce que les choses bougent tous les jours, on n'en sait même rien. Exact. Mais en tout cas, pour l'instant, et c'est sûr, le 3 octobre au Casino Grand Cercle d'Aix-les-Bains, merci à toi. Merci. Il a bien transpiré, bien avec moi, Philippe. Près devant le logo. Ah oui. Le 3 octobre au Casino Grand Cercle d'Aix-les-Bains. Dans la très belle salle Victoria. Oui. Philippe, tu as tenu le coup. Les 20 ans en plus, moi ça fait 20 ans aussi que je suis le speaker officiel. Ouais. Il faudrait qu'on fasse un peu plus de cordes à sauter. Toi ça va, mais moi il faut que j'en fasse. Hein. Allez, vas-y. Il y a Maëlys. Moment partagé avec France Box Aix-les-Bains pour le prochain gala samedi 3 octobre au Casino Grand Cercle sur les réseaux sociaux Facebook, Instagram, YouTube. Et sur autour du lac du Bourget.fr. Page autour du lac. Dire en conclusion? Mais regardez, 2 heures. Regardez, ils sont encore frais comme tout. Ouais, frais presque, mais ils vont encore pas mal. Ils sont un peu plus jeunes que nous. Peut-être, mais ils s'entraînent, c'est très bien. Salut, on va rattraper parce que on va lui mettre ça. Un papa, elle sera contente. Et je vais faire une petite. Ah, Marélie, surtout que je suis allé la voir. Et je fais une petite conclusion parce qu'on dit toujours la boxe, c'est dur, il faut les aider. Eh bien, nous, on demande qu'un truc à nous aider, c'est qu'ils viennent nous voir au gala. Au casino. Exactement. Et les enfants ne payent pas en dessous de 12 ans, il y aura du monde, il y a toujours 1000 personnes. Et vous vivrez une belle soirée de boxe. La boxe, une fois qu'on y va, c'est l'adopter. Moi, j'ai connu ça en 2000 et j'y suis encore en 2020. Merci nous, Philippe. Nous, avec Sébastien, on promouve à la boxe, hein, que ce soit dans notre club ou ailleurs, au moins qu'il fasse de la boxe, du sport de combat, moi je dis. Bien dans sa, peau, bien dans sa tête. Voilà. Merci Philippe Fontanel. 3 octobre au casino, grand gala annuel. Salut mon Philippe.